D'abord, nous voulons faire lecture dans le psaume 26. Ou même qu'à suivre avec nous, on connaît qui ça veut dire. Nous arrivons dans le psaume 26, nous te dérapons dans le psaume 29. Mais qu'on y a, nous arrivons dans le psaume 26. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, éprouve-moi, fais-moi passer au creuset, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans la vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Le lieu où ta grâce habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite, pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. On va tourner avec nous dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Que nous pouvons lire ensemble, frère Samuel. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients de l'affliction, persévérez de la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Voilà, Frère Samio, nous dit bon Dieu merci et nous dit bon Dieu merci pour chaque grand monde qu'il a avec nous. Hier, il y a des pensées qui traversaient nous, il y a une pile d'expériences personnelles que nous faisons, mais il y a une que nous avons partagé avec vous. C'est une pensée qui traversait l'esprit nous qui dit. Nous arrivons dans un moment, ce n'est pas deal seulement, mais il faut que nous fassions aussi bien. Et nous songeons verset ça dans Romains chapitre 12, verset 9, et qui dit non, attachez-vous fortement au bien, que l'amour soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie, que l'affection soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ou qu'on qu'il ait un bagage sans hypocrisie, ou qu'on qu'il ait une affection sans hypocrisie, ou qu'on qu'il ait une charité sans hypocrisie, ou qu'on qu'il ait un amour sans hypocrisie, c'est lorsque ou dit et ou fait. C'est lorsque ou dit et ou fait. Donc, si vous dites ou pas fait, vous chargez avec hypocrisie. Parce que bouche l'a dit une parole, mais en dedans a agi d'une autre façon. L'autre dit, fait aussi bien. Si vous dites, il faut que vous fassiez aussi bien. Soit dit ça qui est bien, il faut qu'on pratique ça qui est bien aussi bien. Mes frères et mes sœurs, bon Dieu fait nous voir un tableau hier. Il y a des gens qui ont une vie vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile. Et bon Dieu fait nous voir comment il est important pour nous capables lever un pile monde dans la prière. Frère Samio, une prescription spéciale que Mtekabao, pas découragé, qu'elle ferme. Bon Dieu qui contrôle la vie. C'est pas au cap d'il, il connaît comment vie est difficile. Mais au pas pour contour. Songez où c'est une pierre. Précieuse. Devant Dieu. Pierre précieuse devant Dieu. Rejetée par les hommes. Mais précieuse devant Dieu. Mes frères et mes sœurs. Que bénédiction, bon Dieu, capable de couvrir la vie nous toutes. Pas inquiété du tout des gens ouais, bagayoyé, mais bye bon Dieu gloire,
à toutes circonstances. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4, c'est prescription que m'gain pour même. Approchez-vous de Dieu, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Cette pierre que vous y est, les yuns tombés sous roue, l'écraser, et l'on tombé sous yun, l'écraser. Ou c'est yun qui gagnant, quelle que soit façon que lire. Bon Dieu connaît que vie très difficile. Il connaît dans qui moule qu'on a passé. Mais il voulait fort songer que là avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est peut-être ça, n'a dit au bon courage. Et que bon Dieu fortifie, bon Dieu kembe, bon Dieu gardé. Bon Dieu, guidez-o. Votre attention, bon Dieu, protégez-o et qu'aimez-o. Les mêmes qui force-o. À destination du paradis céleste. Et les mêmes qui tout un pour même. Fais bon Dieu confiance. Avion à décoller. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Bon Dieu, bénéon, en pile. Que bon Dieu garde, que bon Dieu protège. Bonne journée à tous et à toutes. I love you. But Jesus loves you more. Kembe ferm, même le bagaille difficile. Notre prochain rendez-vous, ce sera pour midi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.